du jour. Livre du jour. السلام ومرحبا بكم مستمعينا الكرام بعد غياب نتاع 3 ايام العيد نرجع مع الروبريك نتاعنا لو ليفر دو جور كيف جرت العاده في لو ليفر دو جور كل جمعه اون با ايساي باش ناخذوا ان سوجي والا ان اوتور والا اون لونغ نحكيوا عليها جمعه كامله افان كو لي يسمع فينا ينجم يستفاد لو ماكسيموم بوسيبل من الكتب هذوما قدمنا الجمعه الاولى كتابات الكبير جبران خليل جبران لا دوزيام سيمين اون ا روندو اوماج لي زيكريفان التوينس ان بريزونطون كلكو اوفر مكتوبين بقلم تونسي الجمعه هذه اون بارل دو développement personnel. Donc, Khalina Kilada, nous savons ce qu'est le développement personnel ou qui fait une nous en sommes maintenant. Donc, le développement personnel est un sujet d'actualité en 2023. Il est important dans la vie quotidienne de l'être humain et c'est un phénomène à la mode. Mais nous connaissons juste nassement bien sur Internet, on a parlé de l'octobre, mais vu l'importance de le développement personnel, ou la être de nos jours dans les écoles étatiques et privées, ou la mettre de l'écrire à notes, ou de des examens à la chatre, ou une compétence à acquérir, vu qu'elle permet à l'être humain باش يتصالح مع روحه مع سون باسي باش يفهم روحه بدنه عقله نفسيته اليوم كيف ما نعرفه التونسي ولا يعيش في برشا ضغوطات في حياته اليوميه والمهنيه تاثر على صحته وعلى نفسيته الصحة النفسية اليوم نجم نقوله اللي هي تتميشة عن بغلل مع صحة الابدين والواحد ولا إنه بس سنتير بيان دان سابو كو وقت اللي يتلهي بصحته النفسية كيف ما يتلهي بصحته الجسدية هذا كان مش أكثر كتابنا اليوم اسمه La Puissance de l'Acceptation ليز بوربو هي نفس الكتبة اللي قدمناها قبل العيد بيان سور كتبت لو ليفر هذية السجي متاعه هو مادة تقريها ليز في الليكول دو في اللي حكينا عليها اللي هي أسستها في الكندا اللي اسمها على اسم أول كتاب خرجته قلنا هو اسمه Écoute encore ton plus grand ami sur la terre vu que elle كاتبة elle maîtrise parfaitement le sujet du livre نجح باش الكتاب وين elle nous apprend Lise à nous écouter et à faire la différence entre accepter se soumettre et comprendre grâce à ce livre on peut comprendre شنو يحس l'être humain quand il aime vraiment ou تفصلنا Lise avec beaucoup de détails الفرق plutôt entre aimer être dévoué et avoir de la pitié pour quelqu'un. Trois sensations qu'on confond généralement. Le livre nous apprend également à cesser de nous blâmer, de critiquer les comportements des autres, de ne pas porter jugement. Tu portes jugement et essayer de s'écouter et écouter les autres. Lise s'appuie aussi dans ce livre à une illustration pratique. Il y a plutôt le suivi thérapeutique de plusieurs membres d'une famille. Tarkina a les bienfaits de cette pratique à travers l'histoire des personnages qu'elle fait entrer dans le cabinet Mteha. Win, elle les laisse parler. Mbad, elle les oriente et elle les éclaire. À travers l'histoire de ces personnes, Lise nous fait comprendre comment arriver à mieux se connaître, s'accepter et accepter. Elle a aussi expliqué qu'on peut se trouver face à des situations où c'est notre ego qui parle mshnahna. Et elle n'oublie pas de mettre l'accent sur la responsabilité et nous explique à travers cette responsabilité qui fait on arrive à se déculpabiliser ou de façon à dire la culpabilité li houa l'ihsas bidhanb hiya un sentiment khayb inajm idamlna nafsiyatna w ya'athar alina barsha fi hayatna almihaniya alyawmiya alatifiya ou fi hayatna d'une façon générale. La puissance de l'acceptation est un excellent livre complémentaire à ce que nous avons déjà présenté. Natamanna taqrawh tlqawh mawjoud fi lmaktab الكل وصموا في الالنتور متاع 30 دينار نتمنى لكم قراءة ممتعة اي ميرسي بور ليكوت ليفر دو جور ليفر دو جور